Le lancement de la nouvelle création de danse hip-hop dénommée Wasufum, qui signifie en arabe dialectal « montrons-les », a marqué l'actualité culturelle de cette semaine. Cette nouvelle création de danse a pour but de faire la symbiose des danses du terroir avec le hip-hop américain, très aimé par les jeunes artistes. Venus de plusieurs groupes de danse hip-hop et des troupes de danse traditionnelles, les initiateurs de cette nouvelle création ont réussi cette innovation. Et le résultat sur la scène donne une chorégraphie très émouvante et spectaculaire. Le premier spectacle de Wassoufoum au grand public est un premier texte pour ces jeunes danseurs qui ont voulu apporter du nouveau aux danses du terroir et à la danse classique des hip-hop. En s'inspirant de ces deux danses pour montrer une danse de création, ceci est à encourager. Car les danses de création et les danses chorégraphiques sont aujourd'hui plus enviées à travers le monde. L'innovation dans l'art et dans la culture commence déjà à gagner le cœur des artistes tchadiens. Les artistes nationaux, qui sont souvent à la traîne de l'excellence, donnent déjà la voix à travers ces innovations. Au bas de l'actualité, les artistes se concertent pour apporter leur soutien à un de leurs qui a connu un accident de circulation. Il y a plus de six mois, cet artiste n'est autre que le rappeur du column Guy alias Sultan, hospitalisé dans un hôpital de la place. L'artiste cherche à être évacué à l'extérieur du pays pour suivre les soins. Les artistes se préparent pour lancer un SOS à l'endroit des personnes animées de bonne volonté.